Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Voilà, bah écoutez, je vous présente aujourd'hui un petit truc sur Angoud. Une petite histoire un peu marrante. Voilà. Et donc, moi j'aime bien lire, hein. J'aime bien, bon allez, bonsoir. Moi je réponds bonsoir. Elle répond coucou, bonsoir. Ça va? Moi elle me dit oui, je vais bien. Et toi? Moi je lui dis bien sûr. Après, elle dit, j'espère que je ne te dérange pas. Bon, ta connerie à deux balles. Bon, bref. Alors, moi, je réponds, bien sûr, rapidement. Ça va, je vais bien. Après, ah, bien, mais j'espère que je ne te dérange pas, comme d'habitude. Pas, j'aimerais faire connaissance. Bon, comme d'habitude, les mêmes conneries. Hein. Alors, pour votre information, vous allez voir la suite du QSJ. Donc, du QSJ, vous allez comprendre après. Ah, ok. Reva, Ridley. Bon, déjà, d'une, c'est des faux noms. Donc, c'est un faux nom total. En plus, un faux profil. Tu viens de m'envoyer quoi? Bon, moi j'ai envoyé quoi? J'ai envoyé tout simplement mon truc, c'est pas grave. Pour toi, plus d'un million de francs. 150 millions de francs. Donc, hein, je comprends pas. Je pense que tu te trompes de personne car il y a des personnes qui utilisent mes photos déjà d'une pour soutirer de l'argent et en ce moment je suis convoqué. Alors que du pipeau parce que c'est totalement faux, hein. Alors, donc, en plus, elle se dévoile toute seule, la personne. C'est qui est un peu marrant. Elle se dévoile toute seule. Justice. Bon, c'est même pas vrai, en plus. Ouvre bien lien. Tu veux dire, ouvre mon lien, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait une bêtise. Pas d'abord, j'ai remarqué quand j'écris. Ouvre mon lien, je vais écrire, il va écrire autre chose. Bon, passe pas. Tu es DJ? Bon, voilà, je réponds. Ah bon. On va dire, ah bon, oui. Après, oui, en ce moment, je suis sur le continent. Alors là, il est grave, hein. Je suis sur le continent africain pour payer un dédommagement. Bon, quel dédommagement? Parce que c'est des conneries ce qu'elle dit. Il n'y a rien, vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout. pour payer un dommagement. Non, ça m'a fait rire. Sinon, tu as jamais rencontré sur Internet. Ah, moi, je dis le contraire. Après, vous allez voir. Hein. Tu as déjà fait des rencontre sur le net, bla, des fans, et moi je lui dis, vous allez voir ce que je vais sortir. Il est sorti tout simplement, oui, pourquoi? Tu es célibataire, moi je lui dis, ah vous allez rigoler. Bah oui, c'est pas vrai, bien sûr, mais tu es pas noir. Non, je ne suis pas noir, bon ben voilà. Après, elle m'envoie sa photo mytho, bien sûr. bah, moi, aime pas. Baf, Burke. Tu as des enfants, moi je lui dis, qu'est-ce qu'elle va me sortir? tu vis seul. Alors, ouais, bien sûr, hein. Comme j'ai en train de lui foutre de sa gueule. Bof, j'aime trop les femmes noires. Ah, je vois. Dommage. Moi, je ne suis pas noir. Bon, je ne suis pas noir. Sinon, dis-moi, tu vis où précisément? Moi, après, moi, je dis,
Oui, avec mon gros miaou. Oui, avec mon gros miaou. Affaire. Moi, je suis seul en ce moment dans mon hôtel. Tu es dans quelle ville en France? Alors moi, je lui dis, je l'écris comme ça, Mantes. Ah, c'est une belle ville. Mantes, j'ai déjà visité. Je sais pas, elle a visité quoi, mais elle a rien visité, hein. Donc, belle, grosse et cool. Moi, alors là, écoutez-moi bien, hein. Moi, une homme gentille, sérieux, cool, sympa, honnête, qui évite les prises de tête, mais je peux avoir une photo de toi? Non, j'ai pas envie de photo. Quelle toile? Tu prends envie de photo? J'envoie pas de photo. Vous voyez, j'envoie pas de photo. T'es pas assez franc. T'es pas assez franc. Je comprends pas. Wesh. Grave. Wesh, grave. Tu parles pas bien le français. Je dis mieux que toi, bébé. Donc, il veut dire que je fous de sa gueule. Après, elle me répond, ah, ok. Donc, je veux que demain, tu te rends dans un tabac et tu me prends des coupons PCS, Parti communiste socialo. Bon, bref, pas grave. Ça te ferait plaisir. Ah, je dis, ah, ok, bébé. Donc, je lui fais comprendre que c'est elle qui me doit du pognon. Hein, vous inquiétez pas. Qu'elle me doit. Et je parle en franc parce que c'est pour faire comprendre que c'est. Voilà. Pour me faire déplacer, c'est payant. Non, juste 1500 euros, hein, 1500 euros, le prix de mon bahut, bah, c'est pas grave. Pour moi, non, pour demain, va au bureau de tabac. Donc, tu vois, vous voyez qu'ils se dévoilent tout seuls, ces petits chéris. Il faut jouer leur jeu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il me précise bien qu'il faut, moi, 6 coupons. Prends-moi 6 coupons de 250 euros. Et non. Alors, vous allez voir, hein. Dis, non, tu vires sur mon PayPad. 150 millions de francs. Elle m'a dit lol pour frais de déplacement. Alors là, vous inquiétez pas, j'ai bien écrit déplacement. Lui, il a marqué déploiement. Et après, je répète encore déplacement. De déplacement. Bon, alors, il est grave. Bon. Excuse-moi, mitard. Allô, ma grosse. Voilà. Voyez en gros ce que c'est, tout simplement que du pipeau, du mensonge, tout ce que vous voulez. Voilà. Évitez de. Faites attention, il y aura des faux profils qui font du blablabla. Donc voilà, tout simplement. Donc tout simplement, bah voilà, tout marrant, tout chaud, tout drôle, c'est marrant. Mais c'est des conneries comme ça, c'est des gens qui se prennent pour qui ne sont pas. Et voilà, comment on fait pour escroquer les gens. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est une vidéo sur.
pour vous prévenir, attention, même sur votre Gmail, ça se passe, cette connerie-là. Allez, je vous remercie. Attention, il n'y a pas que Gmail, Facebook, Gmail, les sites de rencontres standards, même qui sont machin. Voilà. Bon, ok, les boubous, il y a plus. Prenez soin de vous. Bye.